Oye, oye, j'espère que ça guette. On est 4 jours aujourd'hui. Ne serons-nous pas le 24? Oui, bon, c'est pas encore le jour de souhaiter joyeux Noël, mais si, joyeux Noël, si, si, joyeux Noël. J'espère que tu vas passer un très bon réveillon de Noël et aussi un très bon Noël. Aujourd'hui, nous finissons notre calendrier de l'Avent avec le jour 24 et 25, parce que tu te doutes bien que le 25, je vais pas filmer une vidéo et que je ne serai même peut-être pas là. Donc, du coup. Aujourd'hui, on va ouvrir le 24 et le 25. Je ne savais pas qu'il y avait 2 jours. Mais ma foi, c'est plutôt sympa. Donc, nous avons le 24 par ici et le 25 par ici. Donc, c'est parti pour l'ouverture. Ouvrons notre 24e jour du calendrier de l'Avent. Ok. Nous avons une boule de mini rouge avec un nœud. Mais le nœud n'est pas très bien fait, hein. Je ne sais pas si tu verras, mais le nœud, c'est pas ça. Hein. Je vais te montrer ça de plus près. Voilà, le nœud, c'est pas tout à fait ça. Bref, le nœud, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, elle ira très bien sur le sapin. Et qu'avons-nous pour notre jour 25? Oh, ça sent un truc, c'est-à-dire un truc énorme, mais non. Oh, moi, je la trouve sympa. Je la trouve sympa et originale. C'est une boule avec marqué 2021. Donc voilà, ça pourra nous rappeler notre petit Noël 2021 et rappeler ce qui s'est passé en 2021. Ça, franchement, ça fait une belle boule souvenir. Alors, par contre, je ne sais pas si tu verras, mais le dessus est en train de se faire la malle. Voilà, j'ai réussi à remettre le dessus, ce qui est en train de partir. Mais en fait, je suis fort contente d'avoir une petite boule 2021. Bon, ben, ce calendrier de l'Avent est fini. Voilà, il est fini de chez Fini. J'espère qu'il t'aura plu. Encore une fois, joyeux Noël. Profite bien du temps des fêtes. Profite bien de ta famille. Et nous, on se retrouve probablement l'année prochaine. Allez, joyeux Noël! D'hiver, boule de neige, jour de l'an, et bonne année, grand-mère. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va tout en soufflant dans les grands sapins verts. Et c'était l'inverse, c'est pas grave. On n'y est pas du tout en termes de chanson de Noël, mais c'est pas grave.